bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, vous êtes nombreux et nombreuses à me l'avoir demandé depuis le temps, je vais enfin vous parler du challenge Cold Winter. Petit historique avant tout, le challenge Cold Winter a été mis en place par Antonine du blog et de la chaîne Chocolate Readers. Elle l'a mené à bien durant une année et par la suite elle a quitté légèrement la blogo pendant 2 ans. C'est donc le blog Ampucelli qui l'avait repris pour 2 années consécutives. Et malheureusement cette année, le blog Ampucelli ne peut pas le reprendre par manque de temps. Donc, je me suis dit... J'aime tellement ce challenge que je ne voulais absolument pas le laisser mourir, hein, vraiment pas. J'ai donc vite recontacté Antonine pour lui demander si elle voulait reprendre le challenge, parce que c'était quand même la maman du challenge avant tout, et donc c'est le sien. Du coup, pour cette 4e édition, elle m'a très gentiment proposé de le reprendre avec elle, donc bien sûr j'étais comme une folle en fait, parce que j'adore ce challenge. C'est un de ceux qui me réjouit le plus dans l'année, je garde exprès des livres en me disant « Ah, ça va être super pour cet hiver, je vais le garder pour le challenge Cold Winter, ça va être génial ». Normalement, nous aurions dû vous proposer chacune une vidéo pour vous présenter le challenge. Malheureusement, Antonine a des petits soucis personnels actuellement, et elle ne peut donc pas faire de vidéo. J'ai dit « Pas de problème, ne t'en fais pas, je présente le tout, je m'occupe de tout, je gère ». On va commencer bien sûr par les dates. Habituellement, il commençait bien plus tôt, mais cette année, on s'est dit on va un petit peu respecter un tout petit peu plus les mois d'hiver, on va dire. Vous pouvez participer au challenge Cold Winter du 1er décembre 2015 au 29 février 2016. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien que je vous laisse en barre d'infos qui vous redirigera vers un événement sur Facebook. Sur l'événement Facebook, bien sûr, vous notez « Je participe », vous aurez un rappel des dates, un petit rappel de en quoi consiste le challenge et un rappel de tout ce que je vais vous déblatérer ici, en fait. Voilà, comme ça, vous allez voir, ça va être super simple. Sur l'événement, et ben ça va être un petit peu comme un groupe, hein. Vous pouvez poster une photo de votre pal, vous dire où vous en êtes dans votre avancée, poster un article concernant un livre que vous avez chroniqué qui est en lien avec votre challenge. Vraiment, tout est possible. Je vous demanderai simplement de ne pas poster de pubs sauvages, pas d'articles lancés comme ça sans mentionner quoi que ce soit, sans écrire une petite description avant. C'est juste par respect, voilà. Hein. Si vous n'avez pas Facebook, ne vous en faites pas, vous pouvez participer bien sûr. Il vous suffit de faire un article ou de partager ça sur d'autres réseaux sociaux que vous auriez peut-être. Vous pouvez également participer pour vous sans forcément le mentionner quelque part. Tout est possible. Pour partager un petit peu plus le challenge sur les autres réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter, n'hésitez pas à utiliser le hashtag ColdWinterChallenge. Je voulais mettre ColdWinter mais j'ai checké. Il y a trop de trucs, on va jamais s'en sortir. Donc Cold Winter Challenge sur Instagram, sur Twitter, pour qu'on puisse partager tout ça tous ensemble. Bon, maintenant que ça c'est dit. Avec Antonine, on s'est dit, c'était trop simple les autres années, vous choisissiez les livres que vous voulez, le nombre que vous vouliez, en rapport avec les fêtes ou pas. Et puis comme Antonine reprenait le challenge cette année, elle s'est dit, on va rajouter une petite difficulté. On va vous imposer 3 petites thématiques à respecter, à peu près, durant votre challenge. Comme vous avez 3 mois, on s'est dit qu'une thématique allait pour un livre, donc ça faisait un livre par mois, 3 thématiques, 3 livres, ça nous semblait logique. Pour que vous ayez le choix, chacune de nous deux vous a concocté un petit menu de fête, en quelque sorte, avec les 3 thématiques d'Antonine et mes 3 thématiques différentes. Vous allez ensuite pouvoir choisir le menu qui vous intéresse le plus, soit magie en hiver pour Antonine ou alors Noël scintillant pour moi, vous choisir des livres qui vont avec les thématiques qu'on vous propose. Par la suite, vous pouvez bien sûr rajouter autant de livres que vous souhaitez qui sont en rapport avec Noël ou avec l'hiver, ou pas du tout. Pour le menu magie en hiver d'Antonine, il va falloir respecter les 3 thématiques suivantes. Lire un conte ou une nouvelle, lire un livre dont la couverture possède une thématique hivernale, de fête, de Noël, et la 3e thématique, une histoire d'amour. Pour mon menu qui se nomme Noël scintillant, je vous propose de vous choisir un livre qui se déroule à Noël, donc durant les fêtes, une réécriture de conte et un livre avec le mot hiver, glace, neige, froid dans le titre. Bien sûr, on va pas non plus être hyper exigeante, hein, c'est clair, tout le monde est là pour participer, on n'est pas là pour taper sur les doigts si vous n'avez pas pris une des thématiques, c'est pas bien. Si une thématique d'un des 2 menus ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à l'intervertir avec une autre. Quitte à vous faire votre propre menu, le principal c'est de participer. Je vous présente ma palle en vidéo déjà pour vous donner des idées, et si toutefois vous avez besoin d'encore plus d'idées, je vous mettrai en barre d'infos les 3 articles que j'avais fait pour les 3 éditions précédentes du challenge Cold Winter, où il y avait toujours beaucoup de thématiques Noël, hiver, neige, glace, etc. dans mes lectures. Donc à mon avis, il y a de quoi faire. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Un jour glacé en enfer d'Anne B. Ragd, je sais jamais comment on prononce cet auteur.
paru aux éditions 10-18, donc je respecte déjà une de mes thématiques vu qu'il y a le mot glacé dedans. Ensuite, j'ai décidé de me lancer dans mon premier Nora Roberts avec Par une nuit d'hiver, que j'avais acheté l'an dernier, un petit peu plus tard que le Challenge Cold Winter, donc bon voilà, je l'avais gardé exprès pour cette année-là, parce que c'est Noël. Il était déjà dans ma palle de l'année précédente et je ne l'avais pas lu, il s'agit de Belle de glace d'Anne Sheehan. J'avoue que je suis toujours pas très très convaincue par celui-ci parce que pas mal d'entre vous l'avez lu et les avis sont plutôt mitigés. Réécriture de conte par rapport à La Belle au bois dormant, mais je sais pas encore trop. Voilà. Je vais également lire Noël à Virgin River de Robin Carr aux éditions J'ai lu. Ça c'était Tartine aux pommes qui me l'avait offert pour mon anniversaire. C'est un livre compagnon de la série Virgin River justement dont je possède le premier tome que je n'ai pas encore lu, mais comme c'est un tome compagnon, je me dis que je peux le lire peut-être sans avoir forcément lu toute la série avant. Bien sûr que je vais lire Esprit d'hiver de Laura Kashishke, vous l'avez vu il y a pas très longtemps dans un de mes book hauls. Je l'ai trouvé à Emmaüs et j'étais juste trop contente de l'avoir trouvé parce que c'est un livre qui me tente vraiment beaucoup beaucoup et qui se passe à Noël en plus, pile poil. Le dernier poche du challenge, je vais essayer de lire L'orpheline des neiges de Marie Bernadette Dupuis, paru aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est le premier tome d'une saga, ça se passe au Canada, moi j'adore le Canada, donc voilà, je suis contente. Dans les grands formats, je vais lire L'Elfe du Grand Nord de Lucie Danielle Rabhi, paru aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. C'est un livre qui est complètement épuisé et que je peinais à trouver, et puis un abonné me l'a trouvé, me l'avait envoyé il y a pas très longtemps. J'étais juste folle de joie parce que je me suis dit pour le challenge Cold Winter de cette année, j'allais l'emprunter à la bibliothèque parce que je l'avais vu, mais là c'est encore mieux quoi, je l'ai en ma possession et je suis super contente. Réécriture de conte, bien sûr, je vais lire le tome 2 de Animal. Il s'agit de La prophétie de la Reine des Neiges de Victor Dixen. Parce que... Ah, je veux savoir la suite. Et enfin, on va passer au livre en anglais. Donc je vais lire Christmas at the Cupcake Café de Jenny Colgan. Ça aussi, c'est un livre que j'avais déjà mis dans ma palle de la version 2 et de la version 3 du Challenge Cold Winter, il me semble. Donc je le remets dedans, histoire de me dire cette fois, je vais vraiment le lire. L'année dernière, Vincent m'avait offert Wish Upon a Star de Trisha Ashley. Paru aux éditions Avon. La couverture me fait penser au téléfilm d'M6 ou de TF1, vous savez, moi j'aime bien, c'est un peu kitsch, je trouve ça rigolo. Qui a l'air vachement moins rigolo, il s'agit de Winter Damage de Natasha Kartiou. Donc là c'est un petit peu plus thriller de Noël, je pense, ça a l'air un peu moins fun. Et le dernier, j'aimerais énormément avoir le temps de lire Angels at Christmas de Debbie McComber. Donc ça c'est un livre que j'avais trouvé lors du salon du livre de Genève, il était en déstockage donc il coûtait 3 fois rien et je me suis dit qu'il était parfait pour maintenant, la période qui arrive quoi, là tout de suite, demain. Voilà pour ma palle, voilà pour les explications du challenge, n'oubliez pas, tout ce que je vous ai dit sera répété dans l'événement Facebook. N'hésitez pas à aller vous inscrire, n'hésitez pas à faire des articles, à faire des vidéos autour du challenge Cold Winter, je me réjouis vraiment de participer avec vous cette année. Encore une fois, on va carburer comme des malades parce que winter is coming, mais on sera prêts. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles lectures et à une toute prochaine.